Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Baldur's Gate 3 pour savoir comment récupérer une arme unique, le bâton des mégères, une arme qui est très intéressante au début du jeu, notamment pour la classe d'occultiste. Sachez aussi que vous allez pouvoir récupérer une nouvelle invocation en plus de celle que je vous ai déjà présentée l'autre jour et surtout gagner un objet qui va vous donner de manière permanente plus 1 dans une statistique de votre choix. Petit avertissement, ici nous allons affronter un boss qui se fait aux alentours du niveau 4, donc si vous voulez vous garder la surprise, je vous invite à quitter la vidéo. La première chose à faire, c'est de vous rendre dans les Palins Ensoleillés, qui est juste au sud du village dévasté. Une fois que vous êtes dans cette zone marécageuse, pensez à bien la fouiller, il y a quelques loots qui sont très sympas et il y a un combat très intéressant contre des hommes arbres. Quand vous rentrez dans cette zone, normalement, vous avez directement dû faire la rencontre de deux hommes qui discutent avec une vieille femme qui garderait la main sur une certaine Meirina. Rangez-vous pendant les dialogues du côté des deux hommes pour que la vieille femme se téléporte sous vos yeux. Ensuite, vous allez continuer d'avancer pour retrouver le cadavre des deux hommes qui sont partis en avant chercher Meirina. Mais surtout, un petit peu plus loin, vous allez trouver la maison de Tati Ezel, donc la femme qui s'est téléportée. Une fois que vous rentrerez dans la maison, vous allez déclencher un dialogue. Ici, dites que vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer pour Meirina et avouez que c'est bien Ezel qui a tué ses deux frères. Au besoin, si vous avez une ligne de dialogue qui propose ou qui suggère à Ezel de relâcher Meirina, faites-le. Au final, Tati Ezel va révéler sa vraie nature, mais aussi vous allez comprendre que tout le marais était en réalité une grande illusion pour proposer un décor bien plus sombre. Un combat va alors se déclencher et le boss va tout d'abord être invisible. Claquez une petite bombe ou n'importe quoi qui explose à l'endroit où elle était pour la dévoiler. Ensuite, elle va se téléporter hors du combat pour laisser des mobs s'occuper de vous. Ici, il y a deux petites astuces que vous devez savoir. Déjà, évitez le contact, ils peuvent faire relativement très mal au corps à corps, mais surtout, si vous trouvez vraiment ce combat difficile, sachez qu'avant de déclencher le dialogue dans la maison et de dissiper l'illusion de la zone, vous pouvez affronter ces ennemis sous forme d'animaux. Il y a une grenouille isolée et des moutons dans la zone, c'est peut-être un moyen plus facile pour vous de réduire leur nombre au besoin. Une fois le combat terminé, interagissez avec la cheminée dans la maison pour d'abord éteindre le feu et dévoiler un nouveau passage qui va vous permettre d'emprunter des escaliers menant au repère de Tati. Une fois dans cette nouvelle zone, fouillez-la. Il y a des choses très intéressantes à faire, à récupérer et à lire. Mais ici, je vais aller au plus court possible et directement vous laisser la liberté de découvrir cette zone. Quand vous serez devant la porte en bois, elle va essayer de vous convaincre de faire demi-tour. Au final, cette porte est juste une illusion et après quelques dialogues, vous avez juste à la traverser pour passer de l'autre côté. Au besoin également, vous avez un autre passage à côté si vous réussissez un test de perception. Une fois la porte franchie, vous avez directement un nouveau combat contre des humains. Ils sont en réalité contrôlés par la boss à cause des masques qu'ils vont porter. Donc sachez qu'ici, vous pouvez les épargner si vous arrivez à arracher leur masque. Après le combat, sautez à travers la cascade pour arriver à un chemin bourré de pièges empoisonnés. Vous pouvez boucher les conduits d'aération qui propagent le poison, les désamorcer ou alors pourquoi pas passer comme un bourrin en utilisant du soin, du repos court ou alors pourquoi pas faire des grands sauts, voler, voire vous téléporter. Une fois au bout du chemin, le combat contre le boss va se déclencher. Apparemment, en fonction du mode de difficulté, le combat pourrait changer. Ici, je vais uniquement parler du mode tacticien. Tati va faire brûler la cage où se trouve Meirina. Balancez directement une bouteille d'eau pour éviter qu'elle finisse au fond du gouffre et comme ça, vous êtes tranquille avec ce problème. Ensuite, le boss va faire plusieurs copies de lui-même et vous devrez les toucher au moins une fois pour faire disparaître les clones et potentiellement dévoiler la position du vrai boss. Même si vous pouvez la trouver sans tuer les clones, vraiment, ne laissez pas ces illusions en vie et surtout en nombre, sinon vous allez prendre très cher, notamment dès le début du combat, et leur sort d'immobilisation peut être la source qui pourra détruire votre groupe. Au besoin, ciblez en priorité les clones qui sont concentrés vers des sorts d'immobilisation, et une fois le boss isolé, il fait nettement moins mal, nettement moins de dégâts, et il va utiliser ses clones deux fois pendant le combat. Également, le boss peut prendre l'apparence de Meirina pendant le combat. Vous avez juste à regarder la barre de vie des deux Meirina et cibler celle qui possède des liserés jaunes juste au-dessus de sa barre de vie. Sinon, vous verrez que le boss aura également seulement 8 points de vie contre 10 pour Meirina. Et vous aurez également moins de chances de réussir à toucher le boss que Meirina.
Vers la fin du combat, Tachi va vous faire une proposition très importante. Elle va vous donner un pouvoir en échange de sa vie et de celle de Mairina. A vous ici de faire votre choix. Soit vous tuez le boss pour le looter, ce qui n'est pas très intéressant au final, soit vous acceptez de la laisser vivre et qu'elle reparte avec Mairina en échange d'un nouveau pouvoir qu'on va voir juste après et vous allez voir, c'est plutôt stylé. Ou alors, si vous réussissez un jet de dés, vous allez choisir d'épargner le boss en échange du pouvoir et de la vie de Mairina. Et c'est ici, je pense, le meilleur choix, car vous allez pouvoir continuer la quête et débloquer une invocation, mais également vous allez pouvoir gagner un objet qui va vous donner plus 1 dans la statistique de votre choix et de manière permanente, donc c'est très intéressant. Quoi qu'il en soit, essayez de choisir de sauver Mairina et allez dans la salle suivante pour récupérer tout un tas d'objets, dont le bâton des mégères. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sortir directement via le téléporteur qui se trouve au fond de la salle. Une fois que vous êtes dehors, vous rejoignez Mairina qui sera juste à côté devant le cercueil pour déclencher un dialogue. Vous allez lui montrer un moyen de faire revivre son mari grâce à une baguette spéciale. Utilisez-la donc pour voir un zombie sortir du cercueil. Vous allez expliquer que cette créature est forcément liée à la baguette et de là, vous allez avoir plusieurs possibilités dans le dialogue avec Mairina. Soit vous allez pouvoir lui donner la baguette et elle va partir avec l'objet plus son mari sous forme de zombie. Soit vous tuez la créature, ou alors vous gardez la baguette pour pouvoir l'utiliser et invoquer son mari comme un nouveau pet quand vous le voulez. Sachez juste que la bonne fin de cette quête semble être au final tout de même de remettre la baguette à Mairina. Voilà l'équipe pour cette vidéo guide qui vous montre comment gagner un point de statistique dans celle de votre choix, une arme unique et une invocation unique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et si c'est le cas, vous savez quoi faire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo tuto sur Baldur's Gate 3 ou alors en direct sur Twitch. Prenez soin de vous et à bientôt.